One love. Ben, je suis dans une tasse aujourd'hui. Ouais, c'est rigolo. Coucou. One love, ben, je voulais vous parler d'une théorie que j'ai sur les politiciens. Donc, les politiciens, pour moi, sont plus ou moins amis et font semblant de se battre. Tu vois ce que je veux dire? Font semblant de lutter les uns contre les autres. Ils font semblant de ne pas être d'accord. Attends, je me mets bien parce que c'est pas très confortable d'être dans une tasse. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Et moi, ma théorie, c'est la théorie du jeu d'échecs. Alors, la théorie du jeu d'échecs, pourquoi? On entend souvent parler d'échiquier politique. Mais voilà, or, quand on joue aux échecs en général, à part les professionnels, les champions, ceux qui font des championnats du monde d'échecs, ou championnats d'Europe, etc., à part cela, nous, quand on joue aux échecs entre nous, on joue aux échecs entre amis. Tu vois? Ben, c'est comme si les gens, ils se focalisaient sur les pions plutôt que sur les joueurs. Métaphoriquement parlant, les joueurs sont les politiciens, genre, je sais pas, moi j'en retiens Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen. Enfin, face à face, tu vois, c'est comme s'ils jouaient aux échecs. Mais en fait, les échecs, t'as les pions. Peu importe qui gagne, qui perd. Deux amis qui jouent aux échecs sont toujours des amis. C'est pas parce que tu vas plus être mon ami parce que tu m'as battu aux échecs ou inversement. Tu vois? Eh ben, qu'allais-je dire?